Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici en tricote. Aujourd'hui nous allons réaliser un nouveau point. Donc vous allez voir, il est très simple. C'est des côtes relief ajourées. Vous voyez? Il est vraiment ajouré. Ça, pour une écharpe, c'est magnifique. Même pour un pull. Vous pouvez prendre des aiguilles un peu plus fines. Et vous aurez les trous un peu moins gros. Vous voyez? Moi, je prends des aiguilles numéro 5. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Et la laine, c'est la laine numéro 1 standard fuchsia. C'est la colorie 212. Donc, vous voyez, on peut la tricoter celle-là en 3,5, 4. Et moi, je la tricote en 5 pour que ça soit plus souple. Donc, vous voyez, c'est pas important avec des aiguilles plus fines. Voilà, moi je trouve magnifique. Il se fait seulement sur deux rangs. Et on va voir. Donc, c'est les côtes relief ajourées. Je cherche une autre aiguille. Voilà. Et on y va. Donc, multiple de 4 plus 2 mailles. Alors, la lisière. On fait 2 mailles en droit. 1, 2. Jeter fil devant sur G5. On passe la maille, on tricote celle d'après. La maille qu'on a passée, on la passe par-dessus. Et on recommence. 2 en droit. Jeter sur G. Et on recommence. 1, 2 en droit. Jeter sur G. 2 en droit. Jeter sur G. 2 en droit. Jeter sur G. Deux en droit. Jeter sur G. Deux en droit. Jeter sur G. Et ma lisière. Deuxième rang. Une lisière, deux envers, un jeté, on met le fil autour, on en prend deux et on les tricote ensemble à l'envers. On recommence, deux envers, un, deux, un jeté, deux ensemble à l'envers. 2 envers, 1, 2, 1 jeté, 2 ensemble à l'envers. Et on recommence. 2 envers, 1 jeté, 2 ensemble à l'envers. 2 envers, 1 jeté, 2 ensemble à l'envers. 2 envers, un jeté, 2 ensemble à l'envers, 2 envers, un jeté, 2 ensemble à l'envers, et la maille lisière, et voilà, et on a fini le point, mais il est facile. Et vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez vraiment le mémoriser. Hein. Il n'y aura plus de problème. Voilà. Donc, super beau point. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime. Abonnez-vous pour ne rien louper. Et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos.